Bonaparte est en état de siège. Avant mon temps, l'Empire romain a étendu sa sphère d'influence sous les ordres de Tibère, envahissant peu à peu le monde libre. Et nous avons vu, impuissants, Athènes et le reste de la Grèce céder à leur tour. Mais la cité de Sparte est restée libre. Jamais les torches ennemies n'avaient éclairé nos murs, et les Spartiates avaient la ferme intention de résister à l'Empire romain. Les premiers affrontements nous coûtèrent très cher. La mort de nos meilleurs soldats força le roi Léonidas à appeler des soldats nouvellement formés et encore inexpérimentés. Des soldats tels que mon frère et moi. Il fallait revenir avec son bouclier ou sur lui. Soldats de Sparte, aujourd'hui, notre cité va devoir affronter son pire ennemi. Les troupes de l'Empire romain encerclent nos murs. Beaucoup de nos frères sont tombés pour défendre notre liberté et notre beau pays. Aujourd'hui, nous allons honorer leurs sacrifices et accomplir notre destinée de Spartiate. N'aie pas peur, mortel. Je suis Arès, dieu de la guerre. Et c'est ton allié que je viens te voir. Les réponses que tu as toujours cherchées t'ont conduit à cet instant. Tu es un incroyable guerrier. Et pourtant, tu n'as ni nom, ni famille, ni même un passé. Je vais t'aider à défendre ta cité et à découvrir la vérité que tu recherches. De ton côté, tu me serviras d'instrument pour ma vengeance. Votre entraînement n'est pas terminé! Et vous n'avez pas encore affronté l'ennemi au combat! Mais vous êtes des soldats de Sparte! Et chacun de vous vaut au moins 100 Romains! Tenez bon! Et notre victoire marquera à jamais l'histoire de notre temps! Aux armes! Regardez ça! Le roi Léonidas avait raison. La cité est encerclée. Les flèches romaines vont obscurcir le ciel. Parfait. Je préfère combattre à l'ombre. Allons-y. Il est temps d'achever la conquête de la Grèce. Soldats de Rome! Sous mes ordres, toutes les cités grecques sont passées dans le giron de notre puissant empire. Seule Sparte ose nous résister encore. Mais aujourd'hui, nous allons célébrer ensemble notre victoire. Tuez ces arrogants Spartiates! Pour Rome, pour l'empereur Tibère et pour la gloire du combat. Éliminez les deux centurions et nos sapeurs pourront détruire les tours. Il doit y avoir un centurion à l'intérieur de chaque tour. Ah !
Éliminez le centurion! Un endroit où placer cette bombe. Les sapeurs spartiates, tuez-les! Tous ces Romains!
ville. Ils ne doivent pas entrer. Levier, ouvre la herse qui permettra de laisser entrer nos renforts. Le roi Léonidas prend part au combat. Couvre-le. Les voilà. Il y en a une légion entière. Repoussez les loin du mur. Défendez les portes. Pour que nous puissions prendre part au combat. Utiliser leur machine de guerre contre les portes de la ville. Il faut la détruire. Par ici!
Voilà pourquoi les novices sont utiles. Regardez ces Romains. Ils sondent nos murs dans l'espoir d'y voir un point faible. S'ils en trouvent un, ils nous submergeront, tel un essaim d'insectes attaquant un lion. Quoi ? Que se passe-t-il ? Garde au rapport ! Par Zeus et Athéna, quelle est cette chose ? Vite ! Ne laissez pas ce monstre atteindre le mur ! Utilisez les catapultes dès qu'elles seront chargées. Détruisez Talos ! Les servants vous diront quand chaque catapulte est prête. Regardez, il y a des ingénieurs dans leur rang. Les ingénieurs vont essayer de détruire les portes. Ce mécanisme renverse l'huile brûlante du chaudron sur l'ennemi. Pas à nous. J'ai rarement vu un aussi piètre tireur, soldat. Quand je vous ai dit d'arrêter cette chose, ça voulait dire avant qu'elle puisse nous faire mal. Ce bâtiment nous servait jusqu'à ce que vous laissiez cette chose tomber dessus. Qu'est-ce qui lui arrive ? Tu vois bien, il est ravi. Maintenant, à vos postes. Les Romains n'ont pas encore abandonné.